Bonjour à vous toutes et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios la 16.fr, la radio RDC.fr et la radio Agora. Encore un pronostic sous forme de podcast pour notre samedi 15 avril. Et oui, je vous avais prévenu avec mon travail, pas facile de jongler avec le pronostic, mais au moins vous avez le prono du quinté de notre samedi. Alors c'est parti mes amis, pour notre samedi 15 avril, notre quinté aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, Réunion 1, course 4, à distance 2100 mètres, départ avec l'aide de l'Autostar, 15 au départ. Pour le moment, à l'heure où je vous mets le pronostic, nous avons des chevaux qui sont en vue et après j'ai fini ma sélection par deux chevaux qui peuvent venir faire l'arrivée de ce quinté. On l'a vu, cette semaine n'a pas été facile du tout pour les pronostiqueurs hippiques, tant les arrivées n'ont pas été faciles du tout à trouver, mais c'est comme ça, cela fait partie du jeu. Il faut savoir l'accepter. Alors c'est parti pour ma sélection pour notre samedi 15 avril. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 15 Oracle Teal. C'est mon cheval du jour pour ce quinté. C'est un peu l'épouvantail de cette course. Même s'il démarre en seconde ligne, il a tout à fait les moyens de venir terminer et gagner ce quinté. Il est des plus réguliers, c'est un solide point d'appui pour vos jeux à retenir très très haut. Je lui oppose le 10 Gigolo Lover, lui tous les feux sont au vert pour une très belle performance de choix. Le 2 Night Broad, attention avec ce driver, avec son driver du jour, a tout à fait le droit de venir prendre une très 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 belle place. Mon très joli coup de cœur sera le 1 El Greco Bello que tous les turfistes connaissent bien, même si en ce moment il prend des Il fait sixième, dixième. Auparavant, il avait été très très bien. Et là, il démarre en première ligne. Donc, attention à ce cheval pour une très 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 belle place. Mais quatre bases, le 15, le 10, le 2 et le 1. Le 4, Fast Time, a le droit de venir prendre une très 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 belle place dans ce quinté. Attention à ce cheval-là. Le 12, Esteban Gel, pour une place entre 4 et 5, voire mieux. Le 6, Ingo, sera mon coup de folie pour ce quinté et je termine ma sélection par le 7, Flower by Magalou, que je vois très très peu dans une sélection, qui sera beaucoup de poker, mais pourquoi pas en cas de défaillance des chevaux en vue, peut venir prendre une très très belle place en cas de non partant, le 9. Mais de base, le 15 et le 10, mon coup de cœur, le 1, mon coup de folie, le 6 et mon coup de poker, le 7. Mais 2 sur 4, le 15, le 10 et le 2. Mes couplets gagnants placés, le 15, le 10, le 2 et le 1. Je répète ma très très belle sélection. Le 15, le 10, le 2, le 1. Le 4, le 12, le 6 et le 7. Voilà, c'en est terminé pour ma sélection pour notre samedi 15 avril. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr, petit tour également sur le site Agora. Donc encore un vidéo et un pronostic sous forme de podcast avec mon planning de cette semaine. Pas trop le temps de faire l'analyse vidéo comme d'habitude. Avec le montage, ça prend du temps. Mais au moins, vous avez le pronostic hippique. Et vous allez également le pronostic hippique détaillé en dessous de la description de cette vidéo. Voilà. Et sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ursoy, le Pharaon des courses.